Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Explique-moi ça. Aujourd'hui, je vais vous présenter Candy Lab. On va jouer avec des bonbons, avec des sucres d'orge, plus précisément. C'est un jeu de 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans et plus et pour une durée de environ 15 minutes. Alors nous, on a été un peu plus long à 2 joueurs. Alors, comment ça se passe? La mise en place est plutôt rapide. On va avoir des sucres d'orge. On les prend aléatoirement, on réfléchit pas, on les pose en aligné comme ça. On s'en fout s'il y a 4 ou 5 couleurs alignées, c'est le hasard, c'est comme ça. On donne aussi à chaque joueur des cartes. Donc là, en fonction du nombre de joueurs, il y aura différentes cartes. Il faudra regarder dans la règle. Mais là, en l'occurrence, je vais jouer à 2 joueurs. Alors, vous voyez qu'il y a 3 tas, mais vous inquiétez pas, c'est normal. À 2 joueurs, donc du coup, on donne 6 cartes. Alors les cartes, elles sont comme ça représente des sucres d'orge avec des missions à faire. Sur une carte, on a ici le nombre de le point de victoire. Donc là, c'est 3 points de victoire pour un bleu. Alors vous allez me dire, c'est plus facile que par exemple celle-ci qui rapporte qu'un point de victoire et pourtant il faut enlever 2 jaunes, un bleu. Oui, mais il y a aussi des points de victoire sur les sucres d'orge. Donc du coup, vous voyez, si j'avais pris par exemple les 2 jaunes et un bleu, vous voyez, potentiellement, ça me rapporte 4, 5, 6, 7 points. 8 points, donc c'est peut-être plus intéressant. Donc c'est pour ça, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas une erreur. Le deuxième joueur reçoit aussi ses cartes, bien sûr, toujours face cachée, on ne montre pas son adversaire. À 2 joueurs, il y a une petite subtilité, parce qu'on va pouvoir s'échanger les paquets pour essayer de faire des petites crasses aux autres. Donc du coup, il y a un joueur avec une main cachée, donc c'est un joueur fictif. Il y a aussi une canne à sucre qui permet donc le dernier joueur, enfin. Le premier joueur à enlever le dernier sucre d'orge gagnera 3 points de victoire. Si jamais on n'arrive pas à les enlever, on pourra en racheter des cartes, en remettre. Je vous expliquerai un petit peu plus tard. Et l'autre solution pour finir la partie, c'est dès qu'il n'y a plus de cartes ici. Dès qu'il n'y a plus de cartes à piocher, la partie se termine. Et dans ce cas-là, attention, la canne à sucre n'est pas gagnée. Chaque joueur reçoit aussi une petite aide mémoire. C'est plutôt simple. C'est plutôt clair. Vous voyez qu'ici, vous avez un plus, un moins, une flèche, et ainsi de suite, qui sont représentés sur les sucres d'orge. Et donc, du coup, quand vous allez récupérer un sucre d'orge, eh bien, vous faites l'action qui est marquée. Par exemple, si je récupérais ce bleu, je ferais défausser la dernière carte jouée par un autre joueur. Alors, je veux vous montrer comment ça se passe, parce que là, on n'a pas joué, mais effectivement, ça peut enlever des points. Ici, on va mettre une pioche. Ici, on en met 3. Donc c'est toujours aléatoire. Donc on en met 3. Et voilà. Vous voyez ici un petit exemple, tant qu'à faire, tant qu'on est sur les explications. Ici, il y a toutes les couleurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je prends n'importe quelle couleur. Et du coup, ça me permet de. C'est un bonus, c'est un joker. Donc n'importe quelle couleur, je le prends. Et du coup, j'ai réussi ma mission. Vous voyez ici, par exemple, sur celle-là, il y a rose, bleu, jaune. Mais vous avez le droit de la retourner pour avoir jaune, bleu, rose. Effectivement, il y a des endroits, par exemple, il faudra regarder, mais du coup, il faudra le mettre suivant dans un sens ou dans l'autre, et bien ça permettra d'y arriver ou non. Voilà. Alors, on va commencer la partie. On va dire que c'est le joueur à ma gauche qui commence. Il regarde ses cartes, du coup, donc je vous montre vite fait. Et il faut réfléchir, qu'est-ce que je peux faire? Alors, je ne vais pas trop perdre de temps. Vous voyez, deux roses, un bleu. Je vous conseille au début de commencer par celle où il y en a beaucoup parce que. Ceux-là, elles sont faciles, mais à la fin, trouver un bleu, un rose et un jaune aligné, c'est pas forcément facile. Donc du coup, je vais essayer de trouver. Non, j'avais dit deux roses, un bleu. Donc je dis, je joue ça. Donc deux roses, un bleu. Je prends, par exemple ici, donc deux roses, un bleu. Et donc du coup, hop, ça se raccroche, d'accord? Et je joue mes actions. Mes actions, vous voyez, j'ai un moins et un truc comme ça. Défausser aléatoirement une carte de la main d'un autre joueur. Donc par exemple, je vais dire, je t'enlève cette carte. Vous voyez, j'ai deux moins. Donc du coup, je lui enlève une deuxième carte. Et ça, du coup, c'était défausser la dernière carte jouée du joueur. Mais comme il n'a pas joué, du coup, cette action ne sert à rien. Et vous voyez, à l'heure actuelle, j'ai marqué 3, 4 points déjà. 5 ici. C'est au joueur suivant. Le joueur suivant va prendre ses cartes.
et il va regarder. Vous voyez, alors je vais essayer encore une fois, je vous conseille d'enlever les plus grosses. Deux jaunes, un bleu, vous voyez, je l'ai retourné parce que j'ai vu qu'ici je pouvais faire quelque chose. Donc du coup, deux jaunes, un bleu. Et il dit, je fais ça. Il poste carte. Ça se colle. Et donc du coup, vous voyez, deux jaunes, un bleu. Donc là, il a marqué trois points, mais il n'y a pas d'effet. Il n'y a pas d'autre effet. Un truc que je n'ai pas dit, on peut jouer dans l'ordre qu'on veut. Nos jokers, on peut les utiliser comme on veut. Là, c'est quoi? C'est échanger la main avec un autre joueur. Donc, du coup, par exemple, je peux échanger mon jeu avec un autre joueur. Là, par exemple, je vais dire, bah, écoute, vu que tu m'as levé une carte, je vais l'échanger avec toi. Et donc, du coup, je récupère le jeu. Mais j'ai un autre échange à faire. Alors, du coup, je peux décider d'échanger le jeu avec la main fantôme. Et voilà, mon tour de jeu est fini. C'est au joueur suivant. Le joueur suivant va, par exemple, il a un bleu, un jaune. Bon, ben, c'est facile, il y en a partout. Par exemple, ben, je vais faire celle-là pour vous montrer des fossiles. Ah oui, voilà. Vous voyez, donc là, je fais ça. Donc, il va falloir essayer de réfléchir qu'est-ce qui nous intéresse vraiment. Donc, bleu, jaune. Et par exemple, alors celui-là était à l'envers. Donc je vais faire ça pour vous montrer. Donc bleu jaune. Alors celui-là, c'est vous remettez en jeu un bâtonnet de la même couleur. Un autre joueur doit mettre un bâtonnet de la même couleur. Donc par exemple, je décide de lui bah, de remettre un bleu. Il doit remettre un bleu. Moi, je le garde. Mais lui, du coup, bah, il va perdre 2 points. Pour le remettre, c'est soit à gauche, soit à droite. Donc il va le mettre là. Et l'autre en plus. Là, c'est vraiment pas sympa, c'est il doit défausser la dernière carte jouée. Alors vous voyez, à 2, c'est pas sympa parce que c'est toujours son adversaire qu'on va embêter. À 3, à 4, on va essayer de descendre, ça sera pas toujours le même, quoi. Et là, donc du coup, ben, sa dernière carte jouée, c'est celle-là. C'est dommage, il avait gagné un point, mais du coup, il n'a pas gagné de points. Donc le jeu va avancer, hein, je ne vous fais pas tout le long. Et au bout d'un moment, il se peut qu'il n'y ait plus de cartes. Par exemple, j'ai joué tout. J'ai le droit de racheter des cartes parce que la partie n'est pas terminée. Pour acheter des cartes, je peux utiliser des sucres d'orge que j'ai ici pour acheter des cartes. La valeur d'un sucre d'orge, c'est ici. 1, c'est une carte. Si j'en veux 3 ou 4, ben par exemple, si je décide de donner donc 4 points, je pourrais prendre 4 cartes. Pour les cartes, je peux les prendre soit ici, face visible, ou soit face cachée. Parce qu'à un moment donné, il se peut que, par exemple, je vous donne un exemple, on soit en fin de partie. Ça nous est arrivé tout à l'heure. On est en fin de partie. Et du coup, moi, j'ai que cette carte. Vous voyez, cette carte, il n'y a pas de rose. Donc, du coup, bah, je ne peux rien faire. Donc, du coup, je vais décider, par exemple, à mon tour de jeu, je décide d'acheter une carte. Donc, je remets mon pion ici. Et par exemple, je vais prendre celle-là. On en remet une pour le joueur suivant. Le joueur suivant regarde ses cartes. 3 bleus, bah, il ne peut pas. Alors si, alors ça tombe bien, je vous montre. 3 bleus, il a le droit de faire comme ça. Vous imaginez que c'est comme un cercle, donc du coup, il peut dire 2 et 1. D'accord? Et donc là, hop, il fait ça. Il fait des actions, je ne vais pas vous les faire, mais il a fini. Et c'est à moi. Alors moi, du coup, j'avais pris cette carte parce qu'il y avait des bleus, ben, il n'y en a plus. Je ne peux pas jouer, donc du coup, ben, je suis obligé d'acheter une carte. Donc par exemple, je vais dire, ben, je pose 1 et je vais acheter cette carte. Mais je suis obligé. Tant qu'il reste des cartes ici, je dois continuer à jouer malgré tout en dépensant des jetons. Donc il se peut que vous en ayez plein et qu'à la fin, ben, vous n'en ayez plus. Voilà. Du coup, admettons, lui, il a fini. Il arrive à récupérer le dernier sucre d'orge ou les derniers sucres d'orge s'il en prend 3. Du coup, il récupérera la canne à sucre qui lui rapportera 3 points de victoire. Comment on compte les points? C'est très simple. Admettons, il a ça. Il compte les points ici. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Plus les points qui sont ici sur les trucs. Donc 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 plus 3, il a 23 points. On regarde l'autre. Combien il a de points? Celui qui a le plus de points a gagné. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Toujours pareil, vous le connaissez un peu à force. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, ça me fait plaisir. Des pouces bleus, partagez parce que c'est vous qui faites vivre la chaîne. Et à très bientôt. Ciao, ciao.